peut être déçu. C'est vrai que quand je suis sur le terrain, quand on est sur le terrain, on peut être déçu de la dernière situation. On peut se poser des questions sur le pénalty et notamment la faute qu'il y a avant. Mais quand on prend un peu de recul et quand on voit le nombre de situations de Lyon ce soir, Lyon a été plus fort. Lyon en est à son troisième match depuis la reprise. Lyon a de très bonnes individualités et Lyon a logiquement gagné pour moi ce soir. Comme vous l'avez vu, changement de système, changement d'animation, ça fait beaucoup. Avec des joueurs, je vous le répète, pour lesquels c'était leur premier match de l'année depuis le 22, c'est ça ? 22 décembre le dernier. Ça s'est senti par rapport à l'intensité que je demande. Je n'avais pas forcément le répondant sur le terrain à ce niveau-là. Donc oui, il y a les prémices de ce que je veux. En ça, je suis confiant pour la suite. Oui, Lyon était plus fort ce soir. Donc on est déçu de ne rien ramener. Je suis déçu de ne pas récupérer un point ce soir, mais la logique a été respectée. On ne pèse pas suffisamment aujourd'hui. On ne pèse pas suffisamment dans les courses. Qui attaque la profondeur, ça fait partie du jeu vers l'avant que j'aime, de l'intensité que j'aime. Aujourd'hui, on ne l'a pas suffisamment eu, alors parce qu'il y a aussi les restes de ce qui se faisait avant par rapport à un certain jeu de possession qui parfois manque un peu de percussion. Donc c'est à la fois individuel, c'est à la fois aussi structurel, c'est aussi des choses nouvelles que je leur demande. Et ça explique le fait qu'on n'ait pas suffisamment attaqué, je vous dis encore une fois, cette profondeur. Et qui dit attaquer, dit se procurer des situations. On n'en a pas eu beaucoup, on en a eu un peu avec Abdou qui a montré, lui, cette faculté à... Bon, c'était un peu insuffisant... pour faire mal ce soir à cette équipe de Lyon, encore une fois, qui était à la fois prête et bien en place. J'ai des joueurs à l'écoute, ça c'est positif. Il y a ces prémices de changement, ça c'est positif. Mais je ne vais pas tout changer en un claquement de doigts, je le savais aussi. Donc voilà, il faut que ça rentre. Je suis confiant, ça va venir par la suite. Je n'ai pas trouvé un vestiaire désabusé. Ou complètement dépité. Au contraire, ils savent très bien que c'était un adversaire costaud ce soir, que eux, c'était leur premier match depuis un moment. Donc voilà, on est confiant pour la suite.